Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de votre journal de 15h, dont tels sont les principaux faits. Et donc, visite d'inspection du ministre des Affaires musulmanes de la Culture à l'Institut donc Djiboutien des Arts. Et donc, à l'aide de l'actualité internationale, intempérie en Jordanie, au moins 18 est mort dans un accident de bus. C'était le titre et passons au développement de cette édition. Le ministre des Affaires musulmanes de la Culture et des Biens Waqf, M. Moumine Hassan Baré, a effectué hier matin une visite d'inspection à l'Institut Djiboutien des Arts, IDA, où il a été accueilli par la directrice et ses proches collaborateurs. Cette visite intervient à l'occasion du lancement de la nouvelle année donc scolaire 2018-2019, marquée par l'introduction des programmes adaptés et des animations culturelles et artistiques. Le ministre a assisté donc à un spectacle musical et théâtral animé par le jeune de l'IDA et encadré par les enseignants de l'éducation artistique. Il a pu prendre connaissance de nouvelles orientations visant à renforcer l'enseignement artistique en articulation avec les acteurs de la culture. À cet effet, la priorité du ministre de la Culture est de placer les arts et la culture donc au cœur de l'école djiboutienne, conformément à la vision du président de la République, Ismaël Omar Guelleh. À ces jours, donc, les inscriptions continuent. 56 et nouveaux élèves donc, se sont inscrits depuis les mois de septembre dans les filières de musique, peinture et art dramatique. Et s'agissant de nouveautés pour la nouvelle année, financement des instruments de musique par donc, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, lancement des cours privés en danse moderne et danse traditionnelle, atelier des photographies donc par un professionnel djiboutien, filmographie donc court-métrage et enfin donc animation donc au sein de l'Institut IDA et spectacle donc concert exposition. À présent donc écoutons l'intervention de la directrice générale donc de l'IDA. Le lancement de la rentrée artistique de l'institut. Nous avons commencé depuis le mois de septembre l'inscription des nouveaux inscrits, des nouveaux apprenants dans nos filières artistiques au sein de l'Institut. Jusqu'à aujourd'hui, les inscriptions ne s'arrêtent pas, ça continue encore. Nous espérons aussi que, par le biais de cette journée, faire encore plus de bruit pour attirer le maximum de jeunes et de personnes qui veulent apprendre les filières artistiques. Mi-septembre jusqu'à aujourd'hui, 57 nouveaux inscrits se sont inscrits ici à l'IDA, en plus des anciens qui sont en deuxième année. Donc vous devez savoir qu'à l'Institut Djiboutien des Arts, il y a un cycle de 2 années d'apprentissage, de formation artistique, qui se répartissent en 3 filières, la musique, les arts dramatiques, c'est-à-dire tout ce qui est théâtre, les arts de la scène, et les arts plastiques qui englobent la sculpture, la gravure et tout le reste, et la peinture. Par ailleurs, nous avons comme nouveauté de lancer cette année des cours privés. Nous avions fait ça, mais cette année, la nouveauté, c'est que nous allons faire aussi des cours privés pour les gens qui aimeraient apprendre la danse moderne, les danses traditionnelles. Nous avons remarqué que beaucoup de public affectionne le retour aux sources, comme on dit, la culture, et qu'ils veulent apprendre les danses traditionnelles. Ça aussi, c'est une nouveauté. Dans notre calendrier, nous avons prévu aussi des séminaires, des ateliers sur la photographie. Et bien sûr, la cinématographie fait toujours partie des objectifs qui ont été définis par notre ministère de tutelle, le ministère de la Culture et des Biens Waqf. Et bien sûr, toujours en observant la politique qui a été donnée par le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, qui a fondé, je le rappelle, cet institut en 2005. Santé, à présent, une cérémonie de lancement officiel de la campagne donc, de distribution des masques des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action a été donc organisée hier matin à PK12 au sein de la polyclinique de Dr Goulet Hussein Goulet et sous la houlette du ministre de la Santé, Dr Jama Elmi Okiye. En effet, la cérémonie a vu la participation des représentants de l'ensemble des partenaires techniques tels que la chef du bureau de l'OIM à Djibouti, Mme Lalini Verassami, l'OMS, la représentante du PNUT, Mme Barbara Menzi, le représentant du HCR, M. Abdoulaye Barry, le représentant de la Banque mondiale, M. Atou Seck, et la représentante
de l'UNICEF, Mme Jeannebou Mahandé. A noter également la présence du président de la commune de Belbela, M. Weberi Nour Eleye, et des élus locaux qui ont assisté à cette cérémonie de lancement de la campagne de distribution des moustiquaires imprégnés à Belbela. Après une visite guidée, les ministres de la Santé, Dr. Jama Elmi Okiye, et les représentants des organismes onusiennes ont suivi une présentation de la stratégie nationale de lutte contre le paludisme par les coordinateurs du programme de la lutte antipaludique. Le département de la Santé a mobilisé les comités de santé et d'hygiène des différents quartiers de Belbela qui sont d'ores et déjà formés pour mener à bien cette mission de distribution aux côtés des agents du ministère de la Santé. Une campagne de pulvérisation spatiale va être lancée en parallèle avec la distribution des moustiquaires imprégnés afin de renforcer cette stratégie des luttes multiformes engagée par le ministère de la Santé contre le paludisme. L'ensemble des personnels techniques et financiers ont unanimement salué cette initiative efficiente de lutte antipaludique menée dans les cadres de la stratégie nationale de lutte contre le paludisme. Écoutons les propos des différents représentants des organismes et partenaires internationaux présents à cette cérémonie. Aujourd'hui, on est venu boucler la boucle en renforçant le système de santé et contribuer à la distribution de moustiquaires imprégnés, qui est très important pour lutter contre le paludisme. De l'Organisation internationale pour les migrations, l'OIM, je suis très ravie d'être présent avec toute l'équipe du ministère de la Santé, le ministre de la Santé et tous les partenaires du système des Nations Unies et de la Banque mondiale pour participer aujourd'hui à la distribution des moustiquaires. Cette journée pour la distribution des moustiquaires imprégnés à Belbela, c'est très important pour la prévention et c'est vraiment un travail qu'on a fait ensemble en partnership pour arriver à donner aux populations ce dont ils ont besoin. Dans le cadre de la distribution des moustiquaires, nous avons eu la chance de pouvoir visiter une polyclinique super bien aménagée avec toutes les facilités qui pourront permettre aussi de se rapprocher des populations et s'assurer que les soins de santé de qualité puissent pouvoir être donnés aux mères, aux enfants et aussi à toute la population. Pour sa part, le ministre de la Santé, Dr. Jama Elmi Okiye, a indiqué que cette campagne préventive des distributions de masques constitue une protection efficace contre les vecteurs. Le ministre a par ailleurs sollicité l'implication active de toutes les forces vives de la nation pour garantir le succès de cette campagne de distribution de masques. Écoutons le ministre de la Santé. Vu que c'est la saison des moustiques, toute la stratégie est mise en pointe, que ce soit la fumigation spatiale, que ce soit la fumigation domiciliaire ou la distribution de moustiquaires imprégnés. Et cela avec l'aide et l'appui de nos partenaires, PLUD, et les autres partenaires du ministère de la Santé. Ce polyclinique flambant neuf que vous voyez a vu le jour grâce à l'effort constant de la République de Djibouti, du ministère de la Santé et l'appui des partenaires. La Banque mondiale qui n'a ménagé aucun effort pour l'équipement, l'OIM qui nous a soutenus pour l'équipement aussi, et aussi l'UNICEF pour tout ce qui est mère et enfant. Et j'insiste que le PNUD, à travers le Fonds mondial, nous a soutenus sur tout ce qui est la stratégie de lutte contre le paludisme et l'octroi des moustiquaires imprégnés. Également dans l'actualité, en marge des travaux de l'Assemblée générale de l'Association nationale des collectivités locales djiboutiennes et de la cérémonie de lancement de ses activités et de celles des projets d'appui aux autorités locales de Djibouti présidées par le Premier ministre Abdourahdil Kamil Mohamed à l'hôtel Kempinski. Le nouveau siège de l'Association nationale des collectivités djiboutiennes a été inauguré le 24 octobre 2018. Pour matérialiser cette cérémonie, la nouvelle présidente de l'ANCLD, Mme Fatouma Awale Ousmane, maire de la ville de Djibouti, et les membres du bureau exécutif accompagnés du secrétaire permanent de l'Association internationale de maires francophones, ainsi que d'une forte délégation dont les 5 présidents de régions de l'intérieur, l'ancien maire de la ville de Djibouti, les élus régionaux et communaux et les secrétaires exécutifs de l'Association nationale des communes du Bénassé sont déplacés au siège de l'ANCLD situé 6 à Gabote 4. Cette cérémonie a été marquée par la coupure du ruban rouge à l'unisson par la présidente de l'ANCLD, les membres du bureau exécutif ainsi que par le secrétaire permanent de l'AIMF et le secrétaire général du ministère délégué à la décentralisation.
Et donc après la coupure donc symbolique du ruban, tous les invités ont eu droit donc à une visite guidée du bureau de l'ANCLD, le siège de l'ANCLD qui portera désormais haut et fort les intérêts des collectivités territoriales en République de Djibouti et flambant neuf et entièrement donc équipé et mobilier des bureaux et de matériel informatique neuf. L'édite donc siège comporte une salle qui permettra d'accueillir donc les différentes réunions et le futur donc les activités des formations et quatre bureaux dont c'est de la présidente de l'association et du secrétaire permanent. Également dans l'actualité, la directrice générale du Centre de formation des enseignants de l'enseignement fondamental CFF, Mme Aïcha Farah Iltiré, accompagnée de ses proches collaborateurs, a procédé donc jeudi une cérémonie de clôture d'un atelier de formation sur l'APC destiné les formateurs du CFF et les conseillers pédagogiques du moyen secondaire. La dite formation des formateurs qui s'inscrivaient dans les cadres de renforcement de capacité de l'encadrement a pour objectif de consister sur l'harmonisation de la vision des participants sur l'APC et le développement donc des pratiques des participants sur l'APC pour un encadrement pédagogique efficace. À noter que durant donc des semaines de la formation, les formateurs du CFF et les conseillers pédagogiques du moyen secondaire ont été formés sur le principe un référentiel des compétences de l'APC puis donc adopté dans les domaines de l'enseignement et les plus en plus admises dans le système judiciaire. Enfin, donc, la cérémonie s'est achevée par la remise des attestations donc, aux participants de l'atelier de formation et la traditionnelle photo de famille. Donc c'était l'appel à la prière, donc poursuivons notre journal. À l'instar des autres régions de l'intérieur, le coup d'envoi de la campagne nationale de vaccination de masse contre la poliomyélite a aussi été donné en région à Sejok en présence des autorités coutumières et du directeur de l'hôpital régional d'Alice Abiy. L'objectif de cette campagne de vaccination de masse qui cible les enfants de 0 à 5 ans dans la région d'Alice Abiy est de maintenir un niveau élevé des protections contre le virus de la poliomyélite suite à la récente déclaration des cas de poliomyélite dans la sous-région, notamment en Somalie. Durant 4 jours, cette campagne nationale des porte-à-porte sera déployée à travers la capitale et dans les 5 régions de l'intérieur jusqu'au coin le plus reculé du territoire national afin de vacciner tous les enfants cibles des 0 à 5 ans en leur procurant une protection immunitaire maximale et efficace contre la poliomyélite. Se dérouler jusqu'au 27 octobre. Donc, je profite de cette occasion pour lancer un appel à mes compatriotes à Sejok de faire vacciner le maximum des enfants afin d'atteindre une couverture vaccinale optimale dans cette région. À présent, donc, direction au nord du pays. Cette campagne nationale de vaccination a été également lancée dans la ville blanche de Tadjoura sous la férule du préfet de la région, donc Abdou Malik Mohamed Banouita, et du médecin-chef du CMH de Tadjoura, Dr Hassane. Les coups d'envoi de la campagne nationale de vaccination de masse contre la poliomyélite a aussi été donné en présence des autorités coutumières et cible tous les enfants des 0 à 5 ans. Il s'agit de fournir une protection maximale contre le virus de la poliomyélite suite à la récente déclaration de cas de poliomyélite dans sous la région. Durant donc 4 jours, cette campagne nationale des porte-à-porte sera déployée aussi dans la capitale et dans les régions de l'intérieur jusqu'au coin le plus reculé du territoire national afin de vacciner tous les enfants cibles de 0 à 5 ans. La campagne nationale de vaccination contre la poliomyélite qui se déroulera sur 4 jours. Donc, dans la préfecture de Tadjoura, on a prévu de vacciner à peu près 15 000 enfants moins de 5 ans et ça se déroulera sur 4 jours. Tous les moyens sont là, les équipes sont déployées dans toutes les sous-localités allant de Tadjoura Ville jusqu'à Mabla et jusqu'à le mont Moussa Ali. Nous espérons que cette campagne permettra une couverture à 100% de tous les enfants de moins de 5 ans de la région de Tadjoura. Comme nous demandons à la population de participer massivement afin de faciliter le déroulement de ces vaccinations qui se fera par le système de porte-à-porte.
Pour clore donc l'actualité nationale, une vingtaine de jeunes, donc jeunes issus du quartier d'Anguilla ont pris aujourd'hui donc la voie maritime par le ferry Mohamed Bourhan en destination de la ville d'Obok, historiquement première capitale de notre république. À noter donc les potentiels touristiques de Hayou connu pour ses eaux poissonneuses et des beaux sites sous-marins. L'objectif de cette excursion donc était de promouvoir la cohésion des communautés en vue de favoriser la cohésion sociale, voire l'unité nationale et la culture de paix. Il s'agissait également de stimuler la collaboration entre le centre de développement communautaire d'Anguilla et Obok et d'asseoir les bases d'échanges interactifs permettant donc l'intégration sociale de la jeunesse. Durant leur séjour de 3 jours, les jeunes d'Anguilla vont devoir s'adapter à un nouveau donc mode de vie bien différent de l'air. Et de l'impression de l'actualité hors de l'enfant, donc Samantar Saïd est avec nous. Bonjour Samantar. Bonjour Lucien. Bonjour à vous. Et donc, les intempéries en Jordanie, au moins 18 morts dans un accident de bus. Effectivement, c'est au moins 18 personnes ont péri, en majorité des écoliers qui ont été tués et 25 autres blessés et plusieurs portés disparus, et quand au bus scolaire qui a été emporté par les pluies diluviennes dans la région de la mer morte hier. C'est au minimum 18 personnes, principalement à Hussein, des écoliers qui ont perdu la vie. Les écoliers étaient en sortie scolaire. L'accident a vraisemblablement été provoqué par un effondrement de la voie dû aux pluies torrentielles. L'armée israélienne a affirmé apporter son aide au secours jordanien et avoir envoyé des hélicoptères et des soldats pour les recherches. 420 mètres au-dessous du niveau de la mer est l'endroit le plus glissant de la planète. Elle est parfois le théâtre d'inondations en raison des eaux descendant de la montagne vers les fleuves qui débouchent dans la mer. Et donc le président de la Commission européenne, donc Jean-Claude Juncker, est en visite officielle à Tunis. Effectivement, Hussein, les relations entre l'Union européenne et la Tunisie s'améliorent. Chaque jour, elles sont les morts de Jean-Claude Juncker en visite officielle à Tunis. Le président de la Commission a rencontré hier le chef de l'État tunisien, Bejaïd Hezbi. À Bruxelles, s'est engagé à verser 270 millions d'euros à la Tunisie. 4 conventions ont été signées dans le domaine de l'économie, de la justice, de la transition énergétique. Mais comme on ne peut pas provoquer la question des migrants, quand on aborde les relations entre l'Union européenne et un pays du Maghreb qui a ouvert souvent point de départ de nombreux migrants qui tentent de traverser la Méditerranée. La division des Européens est un sujet inquiétant pour le président tunisien. Bejaïd Hezbi déplore que les États membres qui soient désunis et la question migratoire, depuis janvier, ce sont plus de 94 000 Hussein réfugiés qui ont atteint l'Europe en traversant la Méditerranée. Et donc aux États-Unis, donc d'autres colis suspects donc ciblent l'acteur américain Robert De Niro et Joe Biden. Effectivement, Hussein, après celui d'hier, un autre colis suspect a été adressé à l'acteur américain Robert De Niro et très critiqué au président Donald Trump hier à la justice new-yorkaise. Ce parquet a similaire à ce traversé de mardi et mercredi à plusieurs personnalités démocrates et à la chaîne CNN. Un employé de la Tribeca Production, la société de production De Niro, a signalé à la police le colis suspect qui a été adressé à l'acteur vers 5h du matin. La police a envoyé sur place sa brigade de minage et le colis a été retiré et transporté dans un centre d'analyse du Bronx. Ajoute le porte-parole. Le porte-parole qui n'a pas précisé à ce stade, le colis contenait une bombe artisanale comme cela se confirme mercredi pour le parquet envoyé à George Soros, Hillary Clinton, Barack Obama et l'ancien ministre de la Justice d'Obama, Eric Holder et la CNN. Merci donc Samantha pour tous ces éclaircissements. Merci donc à vous de l'avoir suivi et de votre fidélité sur Télé Djibouti.